Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia. Et aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, mais il me manque un truc sur les oreilles, c'est mon casque. Le chat est possédé et ça tombe bien puisque je vais avoir besoin de lui, puisqu'on va faire le petit défi, ça fait longtemps, du chat et mes oreilles. Le chat a le son, toi aussi YouTube t'as le son, sauf que toi t'es pas en live, hein, donc ça sert à rien de crier dans les commentaires. Il y a eu un EMF à gauche, si tu veux faire ça, il faut nous rejoindre en live, t'as les liens dans la description. Du coup, on va jouer au chat et mes oreilles, donc moi j'ai pas le son, évidemment toujours l'arc du pauvre, on va se mettre en cauchemar, le but évidemment, trouver le fantôme, de faire de belles parties, et le chat évidemment, dès qu'il entend un bruit, dès qu'il y a une chasse, dès qu'il y a quelque chose, il spam et il essaye de me sauver la vie. Le programme est le suivant, on va essayer de faire ça sur la Tangle, sur la Willow, et si jamais ça se passe bien, on finira sur le petit campement des familles. Tout de suite, je pense que ça va être une mort, voilà, n'hésite pas à me dire hein, en commentaire combien de fois tu penses que je vais mourir. Let's go, baby. Ah, force modo, ils vont avoir du boulot dans cette vidéo. Oh, t'inquiète pas. C'est quoi ça? Je vois plus rien. Il y a de la fumée dans le camion. Thierry, qu'est-ce que t'as mis une patate dans le pot d'échappement? Ok. C'est le nouveau brouillard. Je suis en cauchemar. J'ai affaire à Kim Phillips. Micro parabolique. On va essayer de faire les games à 100%. Ça peut être fun. Le camion, il brûle. Non, mais c'est vrai. Non, mais regardez. Attendez, mes options, là. On n'y voit rien. Pourtant, j'ai tout enlevé, t'as vu? On n'y voit rien avec le nouveau brouillard. Je trouve ça cool, quelque part. Je trouve ça sympa. En tier 1, bien sûr. Faudrait qu'on tente du sans preuve ou le chat et mes oreilles un jour. Le mec qui pousse le vis toujours plus loin. Ok, on a le miroir. Alors, il faut me dire si vous entendez des trucs. Hein. Moi, j'entends rien. Ok, on a l'os ici. On va aller remettre le courant. C'est un peu stressant de rien entendre. Un jour, on fera personne à des oreilles, où tout le monde n'a pas le son. Ok, j'ai pas la planque ici. Alors, au niveau du thermo, est-ce que je... Il a l'air d'être potentiellement cuisine. Assiette. Oui, juste là. Vous avez raison, chat. Assiette. Ok, il est potentiellement cuisine. Ok. Ok, assiette cuisine. Je n'ai jamais douté de vous, chat. Sachez-le. Alors. On va vite prendre l'appareil photo et quelqu'un a dit potentiellement il a touché une porte. Du coup, on va prendre le glow stick. Merci pour la lurk. Alors. Je vais regarder vite fait, non, il n'y a rien, ok, il n'y a rien. On va le poser là, on va prendre l'os en photo, l'objet maudit, je vais le prendre en photo. Hop. Merci, c'est Elitar. Alors, au niveau de la température, on en est où? Ah, il est peut-être garage, attendez. Il a l'air d'être garage, non? Pas du tout. Wow! C'est un événement, hein. Il est où? Ok. Alors, attends, est-ce que vous dites qu'il a touché une porte? C'est à cause de l'événement qu'il a touché la porte, non? Ok, j'ai les planques ici. L'événement, il était en quoi? J'ai pas fait gaffe. Il devait être à moitié invisible parce que je l'ai pas vu. Ok. Je sais toujours pas dans quelle salle il est, le salaud, hein. Regarde. Il est pas à la cave, quand même. Il est pas à la cave. C'est un événement de l'ombre. Ok. Ah, il est peut-être là. Ah, attendez, il a l'air d'être là, en fait. Il a l'air d'être là. Attendez. Il a l'air d'être là. On va mettre ça ici. Ça ici. Je vais aller chercher bah, le reste du matos, du coup. Porte. Ok. Porte. On va essayer de voir laquelle. Quelle porte? Cave? Ici? Porte cave? Oh, GG chat! La petite porte cave des familles. GG. Empreinte. Merde. Empreinte. Ok.
À vous gérer là. 1 sur 3, c'est vrai. Ok. Comment tu vas, Elaria? Salut Zouklov. Alors, pour le coup, YouTube, tu me diras ce que tu penses de ce défi. Parce que toi, YouTube, c'est pas vraiment un défi intéressant. Parce que t'es pas en live, donc tu peux pas m'aider. Enfin. Donc, t'hésiteras pas à me dire. En tout cas, je sais que Twitch adore. Hein, Twitch? Vous adorez ce défi, vous. Hein. Salut Oli, tu vas bien? J'ai une question. Si on est en preuve réduite, si l'empreinte est une preuve cachée, forcément, c'est pas un obaqué. Oui. Parce que l'empreinte, c'est une preuve obligatoire pour l'obaqué. Tu as l'empreinte de l'obaqué, la spirit du Déogène et du Moroï. Tu as la température de l'Antou. Et tu as les dots du Goriot. Tu connaissais pas? C'est vrai? Non, il est cool, il est cool. Il est cool ce défi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir orbe. Alors attends, je vais regarder dans les deux salles parce que... Ah! Orbe cuisine. Orbe cuisine. Ok. Oh, il a balancé la carte de là à là? C'est un polter? Mais non, on a trouvé le polter avec la carte. Attends. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ah mais je suis con, j'ai deux preuves déjà. Ah non, j'ai pas de preuves. Je crois que j'en avais deux, excusez-moi. Mais si, j'en ai deux avec l'orbe. Ah mais ça peut pas être un polter. Bah putain, attendez, la carte est dans sa bouche. Il l'a foutu sur la table, quoi. C'est un truc de ouf. Pas de glacial. Il faut qu'on check... il faut qu'on recheck la spirit. Pour le mimique. C'est une chasse, c'est quoi? Allô? C'est un événement? C'est un événement? Ok. Non, c'est une chasse? C'est un événement. Ok. Il était où? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Attends. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous une pizza? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? C'était un événement chantant? Ok. Alors attends. Laissez-moi rallumer ça. Salle à manger, c'était salle à manger, ok. Banshee en tout au baquet. Oula. C'est un événement chantant encore. Je vais essayer de prendre la photo. Événement chantant encore? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, il n'y a pas de spirit. Donc c'est pas un mimique. Ok, ça a l'air d'être Banshee. Hein. Ça a l'air d'être Banshee. Ça fait deux événements chantants. On va regarder. Ça sent la petite Banshee, ouais. Ça chante. Mais pourquoi votre femme, elle est à l'arrière de la camionnette? Pourquoi elle monte pas devant? Elle chante. Si vous avez la rêve, vous êtes un vrai. Banshee. Eh ben, écoute, le chat est mes oreilles. Je vais prendre le micro. Je vais compter sur vous. Je vais compter sur vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais compter sur vous. Je vais prendre des capteurs. Prendre un petit capteur, histoire de voir où elle est. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Teste la lumière pour la Banshee. La carte dans la citrouille, elle sert à quoi? Alors, je te laisserai aller voir ma vidéo sur l'update d'Halloween. Elle sert à faire le nouvel événement. Teste la lumière pour la Banshee pour voir si elle te suit. Mais ta phrase n'a aucun sens. Et Fafouin. Interrupteur. Ok. La mise à jour Halloween se finit le 13 novembre, mesdames et messieurs. Le 13 novembre. Ah, la lumière à feu. Non mais attends, si vous oubliez des mots dans vos phrases aussi, moi je peux rien. Déjà que je vous entends pas. Ok, il y a eu un chuchotement. Ok. Pour l'instant, elle me suit pas. Hein. Elle vient pas vers moi. Ah, il faut que je demande la taille du fantôme. Ok. Il nous reste les 25% et repousser une chasse. Pas que les succès. Oui, les succès seront activés le 13 novembre en même temps. Ouais. Du coup, je pense que la mise à jour console va pas tarder, chat.
Je pense qu'elle va pas tarder. Maintenant que les succès vont être validés, vont être lancés, je pense qu'ils vont lancer. Murmure encore. Ok, on teste encore une fois, vous me dites. Les succès. Bah, les succès Phasmophobia sur Steam. Je pense qu'ils vont les lancer. Ils vont les lancer du coup le 13 novembre. Ils vont attendre une semaine pour voir si les succès bug. Capteur de mouvement? Ok, j'avais pas vu. Et du coup, je pense qu'après, ils vont la sortir sur console. Parce que et oui, t'es obligé d'avoir des succès sur console. Ok. Ok, vous me dites, hein, on teste toujours trois fois le cri de la banshee. Merci à tous ceux qui sub ou qui claquent des bits, j'entends pas. N'hésitez pas à faire peur au chat, hein. Toujours pas. J'espère que les succès sont rétroactifs, pas envie de refaire le trophée gold. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas comment marche les succès sur Steam. Le chat et mes yeux, ouais. Mes yeux et mes oreilles. Alors j'ai déjà fait un défi, les yeux bandés. Hein. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je l'ai fait il y a plus d'un an et demi, je crois. Les yeux bandés. Enfin, j'avais un masque de cheval sur la tête, mais. Hein. Murmure, encore? Ok, c'est pas Banshee. Du coup, c'est un no-back. Ok, c'est pas Banshee. Est-ce qu'on pourrait. Il faudrait qu'il nous touche des portes. Ou alors on tente pendant la chasse. On peut. Allez, pour le beau jeu, on peut tenter en chasse. Ok. Vous savez quoi? L'Antou, on peut le voir en chasse. L'Obakir, on peut le voir en chasse. Ok. Pour le beau jeu, on va tenter en chasse. Donc là, je compte sur vous, mesdames et messieurs, pour me dire s'il est rapide, normal ou lent. Ok? Parce que moi, j'entends pas les bruits de pain. Ok. Je sais pas à combien on est de santé mentale, mais on va faire le miroir, je pense. On va faire le miroir. Température, je vais checker. Ah, mais ça peut pas être l'Antou. On n'a pas la glaciale. Donc c'est forcément au Obakir Banshee. Donc en fait, il suffit juste qu'on voit le clignotement. Mais oui, je suis con. L'Antou a la glaciale obligatoire, je l'ai dit en plus. Alors, il s'est barré. Il est là, il est là. Je vais attendre un peu. Il a touché une porte? Porte? Ok, toujours pas. On va prendre des photos en attendant. Hein. Ok, l'empreinte, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait la glaciale. Let's go, baby. On va faire le miroir. Alors, je suis désolé. Hop. Hop, on est bon. Il a touché la porte cave. Alors, on va claquer le miroir dans le garage. C'est un peu plus safe. Si, mais en fait, avec une banshee, c'est très dur de lancer une chasse parce que la banshee, elle te suit. Et donc, en fait, si tu casses le miroir au moment où la banshee est vers toi, bah, t'es mort, en fait. EMF. EMF, donc ça veut dire quoi? Qu'il a touché la porte? Il a acheté un truc? Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va faire le miroir. Ah oui, Odwave, pardon. Bah oui, il y a forcément pas la glaciale. Mais si, parce qu'en fait, c'est pour le Mimic, Odwave. Parce que le Mimic, c'est ultraviolet, orb, spirit et glacial. C'est quoi ça? Putain, je l'avais pas vu! Oh, elle m'a fait trop peur. Elle m'a fait trop peur. Ok, c'est ça, Dakocha. Ouais, mais là, j'ai peur de claquer le miroir, du coup, hein. Je vais crever, moi je te dis que je vais crever. Elle va me popper dessus, je vais crever. Et vous me dites le capteur s'il s'active. Hein. Je me décale. Hein. Oh, la porte, la porte. Oh, j'ai envie de vérifier la porte. C'est. Waouh! Elle essaie de me faire bouffer son bout! Ouais, c'est Banshee, c'est Banshee, c'est Banshee. Événement chantant encore? C'est Banshee. On refait un petit coup du miroir là? Je sais pas où elle est.
Je sais pas si elle est encore là ou si elle est repartie. Chasse, ça doit être une chasse, ça. Elle est où? Ouh, putain! Ah, cassos! C'est Banshee, je la vois pas changer. Oh putain, elle me rattrape de ouf! Il est rapide? Non, il est rapide parce qu'il m'a vu accélérer, non? Il a une vitesse normale. C'est sa vitesse, ouais. Non, non, rapide. Il est. Non, il est normal et il a accéléré. Vous avez fumé. C'est parce qu'il m'a vu. Quand il me voit, le fantôme accélère. C'est normal, chat, calmez-vous. Ah, j'ai pas encore les 25%. Vu comment j'ai réussi à la louper, à mon avis, c'était normal. Bon, c'est pas un obaké. Enfin, c'est pas un obaké. Le problème, c'est que l'obaké, quand c'est un skin féminin, c'est vachement plus dur à dire. Il a accéléré, mais c'est normal quand il me voit, il accélère. Ok. On va retenter, on va retenter le cri. Ah mais attends, je peux vérifier. C'est une chasse? Ok, il est en chasse. Et là, elle est debout pour le coup. Je vais pouvoir la louper là. Je vais pouvoir la louper. Attends, mais il a chassé vachement vite, ça fait déjà 1 minute 30. C'est dur à louper sans son. Hein. Oh, j'ai l'habitude de louper au son, moi. Ok. Oh, c'est clairement Banshee, hein. Elle a popé à côté de moi encore, non? Elle est où? Là, tiens, prends-toi ça dans la gueule. 1 minute 30. 1 minute 30, il me faut le. Ok. Événement chantant encore. Oh putain! Alors moi ça me dérange pas, je l'entends pas, mais vous... Ok. Bah, je pense que c'est Banshee. Hein. Elle a pas changé de skin, bah ouais, j'ai vu ça. On part sur Banshee, vous voulez son cri absolument ou on part sur Banshee? Comment reconnaître un événement d'une chasse? J'ai fait une vidéo dessus, mais un événement c'est beaucoup plus bruyant qu'une chasse. Ah bah non, Jérém, c'est trop tard. Je voulais choisir, chat. Vous savez quoi? Je voulais choisir. Est-ce qu'on part sur Banshee ou est-ce que vous voulez entendre son cri? C'est vous qui voyez. Voulez entendre le cri? Ok. Non, vous voulez entendre le cri. Vous voulez entendre le cri, je vous connais. Ouais, vous voulez entendre le cri. Non, mais je sais. Y a pas de souci, on va faire ça. Vous voulez entendre le cri? Ah, mais y a pas de souci, y a pas de souci, on va le faire. Vous voulez entendre le cri? Je vous connais, vous aimez quand ça crie. Hop, je vais éteindre la voiture, vous inquiétez pas. Le cri ressemble à quoi? Bah voilà, il y a quelqu'un qui a demandé à quoi ressemble le cri de la Banshee, il l'a jamais eu, donc... Ouais, je suis obligé, c'est mon côté prof. Mon côté prof Phasmo, je suis obligé de faire plaisir aux gens, tu vois. Tout de suite, le cri de la Banshee. Ah, j'aurais pu vous troller hein, en laissant la voiture allumée. Hein. Ça peut pas être un mimique. J'ai pas eu la glaciale et j'ai retesté la spirit. Murmure normal. Je te dis, on se fait troll. Hein. Murmure. C'est pas la Banshee? Voulez que je revérifie les empreintes? Dites-moi quand vous entendez une porte ou une vitre ou un truc.
Ok. Ah, ce serait le pire au baquet de tous les temps quand même, parce que 3 ou 4 événements chantants, il m'a popé dessus. Mais là, il vient pas vers nous, c'est ça qui est bizarre. Mimic, vous pensez que c'est Mimic? Faudrait que je revérifie la glaciale, la spirit. Assiette cuisine, ok. Murmure encore? Encore un murmure? Me dis pas que... Attends. Attends, je vais retester la spirit. Attends. T'es sérieux? Eh non, il est pas là. Il est où l'orbe? L'orbe est toujours cuisine, by the way. Non, mais c'est la température. Oh, me dis pas que c'est la glaciale qui met deux plombes. Non! Regardez, ça remonte alors que... Ah, il y a vraiment un bug température ici. Ok, je vais aller chercher un autre thermo. On va retester la spirit. On a testé 5 fois. Alors, il n'y a que 30% de chance qu'elle nous mette le cri, je crois. Donc, vraiment, c'est une malchance ultime. Mais on va retester la spirit quand même. Je vais juste mettre un thermo dans la cuisine et dans la salle à manger. Première game mimique, ce serait fou. Ce serait fou, fou, fou. Regardez, ça monte. L'orbe est là. Ah non, ok. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous une pizza? Ah, tu vois, c'est pas une pizza. À mon avis, soit c'est une banshee qui nous troll. Soit. Oh putain, soit c'est un fucking mimique parce qu'il y a la glaciale. Allez, descend, 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 descend. Descend, descend. En attendant, vous me dites si on a des empreintes, des touchages de porte ou des trucs. Et je teste la mimique en attendant que ça descende un peu. Je teste la banshee. Événement, c'est l'événement du souffle. Je vais l'esquiver. Ouais, je suis trop puissant. Hop, allez, dégage. Vous me dites si ça touche une porte. Et dans 2 minutes, je vérifie la température. Eh, si c'est un mimique, il aura mis le temps. Hein. Putain, 1000 du cul. T'imagines un mimique qui se prend pour une banshee? Je trouve pas qu'ils me suivent. Justement, le capteur s'active pas. Porte. Ok. Porte. Bruit. Cuillère. Non mais attends, vous balancez des mots random là? Attends, si c'est mimique, c'est une partie de fou. Ok, pas de glacial encore. Ça sent de ouf. Porte? Ok. Porte. Rien ici. Toujours pas d'empreinte. Ok. Toujours pas d'empreinte. On va la prendre en photo, tiens. Tant qu'à faire. Ok. Au niveau des photos, on est bon. Hein. Oh, on est bon. Porte encore? Porte encore? Ben, il n'y a pas d'empreinte là. Ok, ça doit être le lag. C'est peut-être le lag. On va attendre encore un peu. Il peut pas attaquer hein, normalement. C'est la latence, ouais, c'est la latence. Comment tu vas, Cam? Tu vas bien? Salut, Kiara. Ok. Ok. Empreinte sur la porte vers le garage. Non, non, non. Eh, tu vois, elle vient pas vers nous, hein. Elle vient pas vers nous, hein. Un objet, ok. Pourquoi il peut pas attaquer? Parce que ma santé mentale est trop élevée et je suis dans la lumière. Bruit dans le garage, dans la cuisine. Ok. C'est quoi, c'est un événement? Ok, vous voyez là ça peut pas être une chasse parce qu'il a éteint la lumière. Événement chantant encore. Ok, là vous voyez, là elle vient de retourner dans sa salle. Ok, je vais aller regarder température. Pas de glacial ici. Pas de glacial ici. Je suis sûr que la glaciale nous troll, putain. Murmure. C'était un murmure normal.
C'était un murmure normal? Ok. Non mais c'est un mimique? C'est pas possible! Ça fait 6 fois qu'on essaye! Non mais attends. Ok, là elle vient vers moi. Une fois. Encore un murmure normal. Ça fait 7 fois. Ok. Il faut que... Non, la spirit... Non, mais la spirit, je l'ai testée dans tous les sens. Vous savez quoi? Je l'ai testée après un événement. Ça peut pas être spirit. Je l'ai testée après un événement. Et après un événement, le fantôme est sur place. C'est pas possible. Salut, âme. On va remettre des... On va remettre des capteurs. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Attendez. On va remettre du capoteur, ok? On va en mettre 2 et on va en mettre un ici. Voilà, comme ça on saura quand il est dans la cuisine. Ok? Température, je check. Pas de glacial. Pas de glacial, mais la température elle est aux fraises. C'est un événement? Ok, il a fait péter les lampes, le salaud. Ok, attendez, je vais vérifier l'orbe. L'orbe est plus là. EMF. Ouais, mais l'EMF, c'est rien, c'est rien. L'orbe est plus là. Merde, l'orbe est où? Merde. Garage, bah j'ai checké garage, j'ai rien vu. Cave? Salon, peut-être. Merde, j'ai allumé comme un con. Oh mais quel défi à la con. Qui a eu l'idée? À mon avis l'orbe a pas bougé, hein, c'est moi qui ai mal vu. Vous savez quoi, je vais prendre la caméra comme ça, ce sera plus simple. Il a tapé au carreau, ça l'a mangé. Ok. T'es sûr? Ouais, j'arrive peut-être en retard. Ouais, pour moi je vois rien. Orbe, ok, l'orbe est... L'orbe est toujours là. Cuisine. L'orbe est toujours cuisine. Non mais... Putain, j'en peux plus de cette game, quoi. Pas de glacial, non mais... J'ai jamais eu... Non mais la température, c'est un truc de ouf à quel point elle nous troll, là. C'est un truc de ouf. Vraiment. Je vais prendre ces deux capteurs. Je vais les mettre là. Je vais prendre ça. Il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug température entre ces deux pièces. Ok, je vais allumer les lumières. Ok, ensuite, la spirit. Je vais prendre ça, ma spirit. Ah non, mais l'esprit, il est horrible là. Je vais retenter la spirit encore. Porte, ok, porte. Porte. Quelle porte? Ici? C'est un obaquet? Y a pas d'empreinte? C'est un obaquet? Attends. Reporte? Et vous direz qu'elle est où la porte? Attendez, il me faut mon EMF. Elle est pas ici. Téléphone? Ici? Oh putain, il est... Qu'est-ce qu'il fout là? Merde. Ah, c'est la porte là. C'est pas un obaquet, il nous met toutes les empreintes à chaque fois. C'est pas possible. Attendez, c'est pas possible ce qui est en train de se passer là, c'est une dinguerie. Je vais spammer la spirit. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Où êtes-vous? Êtes-vous vieux? Êtes-vous une pizza? Êtes-vous grand? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous vieux? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Non. Non. Fais voir là.
Non, non, il est pas là. On aurait dit les jumeaux. Non, mais il y a un souci. Mesdames et messieurs, il y a vraiment un gros souci, là. Fourchette. Ah, il est toujours cuisine. Ok, on va retester. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Où êtes-vous? Ouais, non, non, ça peut pas être la spirit. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis que c'est la température qui est buggée. C'est un mimique avec une température buggée. Regarde. Elle est toujours là. Ou alors c'est la banshee, mais qui nous troll ultime. On va refaire le test vite fait du micro. On va se faire encore un murmure. Ou deux. Et après, on va partir en chasse. Et on va essayer de voir. Ok. On n'a pas le choix. On est obligé. Ok. Là, il vient de faire... On vient de le voir, regardez. Il vient de faire le capteur. Il est au niveau du capteur. Il bouge pas. Vous voyez? Là, il vient de bouger ça. Elle est où ma spirit de mort? Elle est où ma fucking spirit? Porte. Ok, je vais checker. Là. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok. Mon glow stick, il est où? Il est là. Oh, regarde, il y a encore l'empreinte. Ça peut pas être le baquet, c'est pas possible. C'est une chasse? Là. C'est une chasse, c'est une chasse. Oh putain, pourquoi je vais là? Je croyais qu'il y avait la lumière d'allumer. Je la vois pas. Déplacement, vitesse normale, je te dis que c'est une banshee, moi. Je te dis que c'est une banshee qui nous troll, c'est sûr. Ok, la chasse est finie. Attends, j'ai déjà perdu 50% de santé mentale, c'est quoi ce truc de ouf? Vitesse normale, ok. Ça voudrait dire que c'est la glaciale. Qu'est-ce qu'on fait, chat? Ah oh, putain, la game, je suis désolé, YouTube. La game dure 30 minutes, mais... Elle a pas un comportement de banshee, hein. Et elle a pas un comportement de baquet, hein. C'est forcément la glaciale qui bug. C'est pas possible autrement. Vous avez pas de son, là? L'encens, je trouve qu'il a attaqué vachement vite en boomer, je suis d'accord. Après, j'ai pas le timer de lancer, donc... Regarde, elle vient pas vers nous. Elle est où? Elle est là. Vitesse de pas normaux. Je la vois pas changer. Ok. Putain, j'ai cru qu'elle avait fait demi-tour. Je sais pas quoi faire, chat. Je vais vite fait checker la température. Toujours pas. Toujours pas. Porte, je vais checker les portes, vous avez raison. Je pense qu'on va se barrer. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a empreinte sur toutes les fucking portes. Interrupteur. Regarde ça quoi, y a pas... Non, ça peut pas être un... C'est impossible. Ok, chasse. Je vais... Je suis mort. Ouf, ta mère la pute. Je sais pas où elle est. Ok.
El Matador. Le problème, c'est que si c'est un Obake, c'est bizarre. Non, ça peut pas être un Obake et la Banshee, elle a rien fait. Mais... Combien de fois on a testé le cri? Combien de fois on a testé ce putain de cri, chat? C'est la... C'est la... C'est... Qu'est-ce qu'on fait, chat? Au moins 8 fois. Elle vient pas vers moi. Enfin, vite fait, mais vite fait, tu vois. On n'a pas de glacial. Les empreintes, on les a à chaque fois. On go mimique? On go mimique ou on go banshee? Oh, il a éteint les lumières, c'est parfait. Il n'y a plus l'orbe. Il n'y a plus l'orbe. Le jeu est cassé, mais j'ai... J'aimerais bien qu'il nous fasse une chasse rapide, en fait. Ou tu sais, qu'il a un changement de vitesse. Pour qu'on soit sûr que c'est un mimique. Je vois pas l'orbe, hein. Moi, je resterai sur Banshee, moi. Honnêtement, moi, je resterai sur Banshee. Je regarde juste les planques qu'on a, vite fait. Il n'y a pas eu de variation de vitesse, il n'y a rien eu, quoi. Je vais attendre une charge, je vais claquer l'encens, je vais essayer d'avoir un cri pendant les minutes 30 et puis on part après. Ok, est-ce qu'elle me pop dessus? Elle pop à côté. Ok, niveau vitesse de pas, on en est où? Aucun changement. De pas normal. C'est Banshee. Non, mais c'est une Banshee bourrée. Je sais pas pourquoi on se prend la tête. C'est Banshee bourrée. C'est une double bee. Ok. Donc là, on a 1 minute 30. Là, elle a popé à côté de moi. Elle pop beaucoup à côté de moi quand même. Hein. On a 1 minute 30 pour avoir le cri de la Banshee. Ok. Je pars sur Banshee, je pense. Porte? Ouais, mais porte, c'est bon, c'est bon, j'ai donné, quoi. Murmure. Murmure normal. Putain, ça me rend fou, quoi. Ok. T'as eu un souffle juste avant? Ouais, je l'ai vu, le souffle. Là, il devrait chasser, là. Le timer, ouais. Il faut me dire quand la porte d'entrée se ferme, en fait. Porte? Mais la porte, elle est où? Elle est à côté de moi ou non? C'est un mimique. Il chasse pas. Pourquoi il chasse pas? Oh, c'est la pire game de ma vie. Il chasse pas, c'est un mimique, il chasse pas. Murmure encore. 2 minutes 30, il chasse pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
L'ultraviolet, on est sûr. L'orbe, on est sûr. Ok? J'ai pas eu spirit, j'ai pas eu température. Le baquet, on l'a pas vu changer. Est-ce qu'on ferait pas une dernière chasse? La dernière chasse de. La dernière chasse. C'est la dernière chasse, mesdames et messieurs. C'est la dernière. Attendez, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Je vais revérifier la température. Maintenant qu'il a changé de salle, on va voir si on a la température dans le garage. Il a l'air d'être garage. Je peux pas. Non, mais il y a une partie de moi, il y a une partie de moi qui a envie de partir et de piffer, ok? Mais il y a une partie de moi qui a envie d'être sûr et de trouver, tu vois. Vitesse normale. Il n'y a pas eu un EMF5 au tableau. Mais Blob, on est en cauchemar, il n'y a pas de tableau. Okay, je vais déplacer. Je vais checker où est l'orbe. Ok, l'orbe est là. L'orbe est là. Donc là, on devrait avoir la glaciale. Je vais quand même en mettre un dans le garage. Couper le courant. Ok, couper le courant, c'est pas grave. Faut juste que je retrouve mon encens. Sur la table. Ok, on va remettre le courant. En espérant qu'il chasse pas. Le courant est déjà mis. Ok, c'est pas le courant qui a été coupé. C'est la lumière qui a été éteinte. Ouais, c'est ça. Ok. Arca, merci Arca, comment tu vas? Si sur le tableau il y a un EMF à 10, est-ce que ça veut dire que c'est un EMF5? Pas forcément, ça peut être le polter, ça peut être une chasse, ça peut être plusieurs choses. Je regarde vite fait la température. Toujours pas. Non, là non. Ah, pour moi, ça sent trop le mimique. Il attaque pas. Il attaque pas? J'ai pas claqué l'encens, hein. Et il attaque toujours pas. Vas-y, mimique. Go mimique. Vas-y, fuck. Go mimique. Go mimique. J'ai pas claqué l'encens. Normalement, il y a un cooldown de 25 secondes. Ça fait combien? Ça fait au moins 2 minutes? Il a pas attaqué? T'as, si c'est Banshee, hey, si c'est Banshee, je deviens fou. Si c'est Lobaké, je deviens fou aussi. Il a mis toutes les empreintes. Je me casse, je peux pas. Fils de pute! Fils de pute! Tu nous auras pas, fils de pute! Tu nous auras pas! Il a pas changé de vitesse une seule fois. Après, c'est ce que vous me dites. Hein. Il a pas changé de vitesse une seule fois. C'était pas la spirit. Ça pouvait pas être la spirit. J'ai testé dans tous les sens. C'est cette température de merde. C'est cette température de merde. Ouh! On a débloqué le micro parabolique. Oh, cette game était horrible. Elle était 40 minutes. 40 minutes! Il n'a pas changé! Combien de fois il a chassé? Combien de fois il a chassé? Changement de salle 2. Il a changé 38 fois. Il a chassé 7 fois. Sur 7 chasses, il n'a pas copié une seule fois un fantôme qu'on pouvait trouver à la chasse. Et donc il avait raison. La personne dans le chat tout à l'heure, et je m'étais fait la même réflexion. La fois où il a chassé la première fois après l'encens, je suis sûr qui s'est pris pour un démon que ça faisait moins d'une minute trente. J'ai eu cette impression qu'il avait chassé trop vite. Comment tu vas, Matisse? C'était toi. Ben, alors, vous regardez la VOD YouTube, vous me dites, mais j'ai l'impression qu'il a chassé en moins d'une minute trente. Vraiment. Donc, on aurait pu partir Mimic plus vite. Mais non, mais attends, mais cette game, elle était horrible. Elle était horrible et trop bien en même temps. Et le coup du téléphone portable et tout, je suis sûr que c'était les Gémeaux. Bref. Il n'a pas choisi une seule fois un fantôme qu'on pouvait trouver potentiellement à la chasse. Ou alors, je sais pas. Tu sais quoi, je regarderai la VOD, puis j'écouterai les bruits de pas. Bref,
Oh putain, elle était violente celle-là. Elle était violente. YouTube, on va enchaîner sur une Willow. Après la pub, évidemment. Pfff. YouTube de retour. Exténué après cette game incroyable. Mais on est de retour, on est toujours là, toujours debout, toujours avec la Oli, évidemment. Ça, c'est un shaker que tu ne peux pas avoir. C'est le shaker des vrais. C'est le tout premier shaker de l'histoire d'Oli. Bref, on est sur la Willow. Et on va espérer que ça se passe mieux quand même. On s'est pas fait Mimicade. Oh, Mimic première game, putain, j'en reviens pas, quoi. Ah bah là, si j'ai une Banshee... Mais elle était bien, cette game, mine de rien. Elle était vachement bien. Ellen Yang. Je vais pas commencer UMF, je vais commencer avec l'appareil photo, tiens. Ellen Yang. Allez, chat. C'est bon? Reconcentrez-vous. J'ai besoin de vous. Ok, on n'a pas la boîte à musique. C'est pas mal de jouer sans le son parce que tu te concentres sur d'autres trucs. Ok. L'os c'est fait. On a encore le miroir. Ok, tu sais quoi, on va le checker tout de suite. Ok, on sait où il est. What the fuck? J'ai eu la photo, dis-moi que j'ai eu la photo. Ta mère, je t'ai vu. Je l'ai vu. Bon, la game parfaite, c'est dans l'oignon. J'arrête pas d'allumer et éteindre les lumières. Ok, il est là-bas. Souble. Souffle. Attends. Le souffle, c'est le premier événement. On s'est pris deux événements, dont le deuxième est le souffle. Je vais aller remettre le courant. Interrupteur? Vous avez entendu un interrupteur qui s'est éteint direct quand je l'ai allumé? Un seul événement, donc c'était pas le souffle. Non, non, c'était pas un souffle. Pendant l'événement... Celui de la cuisine, ouais. Ah ouais? Celui de la cuisine, j'ai allumé, il s'est éteint direct. Ok, 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 je vous fais confiance. On va aller chercher le matos, on va voir. Ok. Alors ça, j'aime bien, parce que du coup, Banshee, Cauchemar, c'est des fantômes qu'on peut trouver au son. Et ça tombe bien, parce que c'est vous qui l'avez et pas moi. Merci beaucoup, Malakai. Donc attends, on s'est pris un event. Normalement, on a fait le miroir. Je vais quand même prendre... ça. Donc, mettons que c'est le cauchemar. Cauchemar, c'est spirit, orbe, écriture. Donc, on va se prendre ça et la spirit. Et bah l'écriture, vu que j'ai jeté ma lampe. J'ai peut-être cliqué deux fois sans faire attention. Tu sais, j'ai pas fait gaffe. T'as 100% confiance, tu vérifies pas et tu quittes. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas 100% confiance. Bah alors, pas du tout. C'est quoi Twitch Discord? Twitch, c'est où je suis en live en ce moment. Donc tu... Ok. Tu vas sur ton navigateur, tu tapes Twitch, T-W-I-T-H, T-C-H, point TV, slash Mr. T-Boot. Et tu verras, on est en live en 16/9. En grand format. Ah bah c'est Mr. T-Boot, tout simplement. Alors. Pas d'orbe. Pas d'orbe. C'est pour l'instant pas d'or. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, spirit. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Spirit. Spirit, spirit. Il faut toujours tester la spirit pendant un événement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, spirit. Oh putain. Il a touché le carreau. Ok. Le défi de la semaine, je l'ai déjà fait. Il est sur mon YouTube, Tricia. Tu vas sur mon YouTube, c'est Mr. T-Boot, hein, c'est pareil. Ok, il a touché au carreau. Donc normalement, on est censé avoir l'écriture. Je vais reprendre l'écriture quand même. Je vais me reprendre des, ça. Parce que j'ai l'impression qu'il est vachement chaud. Prendre les dots. Donc là, si c'est un cauchemar, il cacherait l'orbe. Donc on devrait avoir l'écriture. La lumière rouge, ça peut être n'importe quel fantôme. La lumière rouge, c'est un événement comme un autre, hein, tout simplement. Je vais aller regarder, mais y a pas de souci. Allez, s'il a écrit, on fait quoi? On part, on met direct au chemin. Il a pas écrit. J'ai regardé le carreau. Alors c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être celui-là. Non. Peut-être celui-là.
non plus. Ok. La spirite, on est bon. L'écriture, c'est bon. La température, elle n'est pas encore descendue. Potentiellement une glaciale. On va se mettre les dots comme ça. Je les ai pas allumés. Hop. On va éteindre. On va se barrer. Merci pour la lurk. Défi de la semaine, j'aurais bien aimé le faire sur d'autres maps YouTube. On y avait pensé à le faire sur d'autres maps, mais le problème, c'est que je suis en arc du pauvre, donc je peux pas le faire avec les objets tier 3. Et j'ai pas. Et on s'est dit, ouais, on s'autorise la frontale tier 3, mais je l'ai pas débloqué. Il faut être niveau 80. Alors. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. On a juste la spirit. La glaciale, on sait pas. On verra, Jerrycan. On peut pas savoir encore. Je vais poser un deuxième dot. Et l'EMF. Et un cruci. Tu sais quoi? Un cruci. J'ai quoi en objectif? EMF, chasse, ok. Salut Over, salut Xenorki, installez-vous. Salut. En tout cas, j'aime bien ce défi. Mettez un plus 1 dans le chat si c'est la première fois où vous faites le défi. Ou c'est vous qui me guidez. Mais il est vraiment cool ce défi. Parce que t'es vraiment, t'es en mode, t'essayes de tout écouter, tu vois. Il est trop bien. Ok, on va le mettre là. Alors, faut me dire s'il y a une porte, s'il y a un truc. Hein. Ok, vous êtes beaucoup quand même. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah, il est pas là. Ok, donc peut-être un fantôme qui me suit, qui change un peu de salle. Pas de glacial. Ok. Combien de temps l'entité reste sur place après un event? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Ça peut être... elle peut rester... une minute, comme elle peut rester une seconde. Ok. C'est quoi ça? C'est le souffle? C'est le souffle là qui vient de me mettre, non? Souffle, ok. Ok. Ok, c'est le souffle. Pas d'écriture. Peut-être un polter. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, donc il est là. On a la spirit, il est là. Donc normalement, on devrait voir les dots. S'il y a les dots, je vais prendre... Glacial. Oh putain, non, non, pas deux fois, s'il te plaît, pas deux fois. Pas deux fois. La radio est allumée? Pas deux fois. C'est bon, je l'ai éteinte? Hop. Non, pas deux fois. Ok. Y a pas d'orbe. Ah oui, y a pas d'orbe. Ok, merci. C'est vrai que j'ai eu peur. Ok, Moroi, jumeau Orio. Je vais aller chercher un encens. Donc là, si c'est un Moroi, il devrait m'attaquer. Vous l'entendez au bruit de pas. Et puis de toute façon, il m'a maudit à la spirit. Ok. Ah mais attends, j'ai pas validé l'EMF encore. Faut que je valide l'EMF. C'est le thermomètre en dessous de 1 degré pour la glaciale. Tu peux plus le savoir à la buée parce que la buée c'est à partir de 7 ou 5 degrés je crois. Bon, il faut que je valide l'EMF avant qu'il chasse chat. J'aimerais bien qu'on fasse toutes les games à 100%. Donc il faut que vous me disiez s'il touche un truc. Ah bah c'est bon. Ok, glacial. Je revérifie l'orbe quand même, histoire d'être sûr. Non, il n'y a pas. Hein. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ok. Ok, alors. On pourrait tester le Moroi. Après, c'est jumeau Orio. Tu peux pas t'arrêter une photo. Non, mais game, j'ai dit quoi? Game parfaite? Non, je voulais dire game à 100% avec tous les objectifs. Alors attends, soit on attend voir si c'est un Moroi, mais je pense qu'on va faire le test de l'Orio d'abord, c'est plus fun. On va faire le test de l'Orio. Interrupteur. Okay. Vous voulez que je vous montre le son du jeu? C'est vrai que je parle, mais... normalement le son du jeu, vous l'avez assez fort là. Avec tes petites bougies tiens, on aime les bougies tiens. C'est faux. D'ailleurs, nouveau défi avec les bougies tier 1 bientôt. Ok. Ça a pas l'air d'être un Moroi. Donc là, ça va être au bruit de pas, mesdames et messieurs. Je compte sur vous. Ça va être au bruit de pas.
Ça tombe bien, j'ai mis un cruci. Je vais pouvoir tester l'Onryo, c'est nickel. C'est parfait. On va chercher les allumettes. Et l'encens. Hop. Ça sent l'Onryo. Je vais même allumer la troisième ici, là. Ok. Allez, on observe. On observe. Je vais prendre les... Tu sais quoi? Je vais prendre les photos des bougies. Faut que vous me... Ah bah, là, il vient de bouger ça. Photo. Ok. Moi, je dis un petit Onryo. Ouais. Je le sens bien, le petit Onryo, là. Ah, par contre, faut souffler les bougies, hein. Ok, il a soufflé celle-là. Ça fait 1. Ok, ça fait 1. Normalement, les photos sont bonnes. Hein. Les photos sont bonnes. Ok. J'ai essayé de pas parler pendant la chasse. Comme ça, je vous laisse écouter, ok. Il y a eu un objet. Ok, je l'ai pas vu. Selle, fenêtre. Le fantôme peut laisser des empreintes un peu partout, ouais. Selle, fenêtre. Bougie, ouais, je l'ai vu. Troisième bougie. Il vient d'éteindre la troisième bougie. Y a pas de chasse. Pas un Onryo. C'est les jumeaux. C'est les jumeaux? C'est les jumeaux? On va faire une chasse. Jumeaux Moroi, normalement vous l'entendez au bruit de pas. Ok. On a une cachette ici. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Vous allez écouter les bruits de pas, ok? Cherchez le miroir, je vais le claquer. Vous avez entendu des doubles interactions? Ok. Donc normalement, à la chasse, vous pouvez me dire si c'est les jumeaux. Les jumeaux accélèrent pendant la chasse, ouais. Il n'y a que le taillet et l'entoux qui n'accélèrent pas. Mais, je vais me mettre à 0% de santé mentale. Comme ça, si c'est un Moroi, il est ultra rapide. Si c'est les jumeaux, il sera moins rapide. Ok. Le Moroi, c'est 2,25 de base. 3,8 à son maximum. Ok. Bon, faut pas qu'il vienne vers moi tout de suite, par contre. Sinon, je suis mort. Le Moroi, il m'aurait déjà chassé, oui. Alors, c'est rapide ou pas? C'est lent. Jumeau rapide? C'est vrai qu'il est normal. Légèrement quoi? Légèrement rapide? Jumeau? Oh là, vous êtes trop fort. Attendez, j'ai plus qu'à le repousser, puis on est parti. Je suis con, j'ai oublié de claquer l'encens. Moyen rapide. Ah, j'adore. J'adore vos... Ok. Il était légèrement moyen rapide, c'est ça? Et tu dirais qu'il est plutôt... Il est plutôt mi-ours ou mi-scorpion, du coup? Il chasse, là? Mais il est rebou. Ah mais il est lent du cul. Non. Non. Au moment où la chasse se finit. Oh putain. Là il était lent. On a vu, même sans le son, je l'ai vu qu'il était lent. Et il était rebou. Ah je suis désolé. Putain, ça s'est joué à une seconde le coup de l'encens dans la chasse là.
Il est lent, il est lent, il est lent. Ouais, non, mais ça s'est vu, ça s'est vu. Bon, bah, jumeaux, on est bon. Faut juste que je valide. Que je valide. Il faut que j'ai validé les bougies que t'offres. Limite, c'est un déogène. Non, mais abusez pas, abusez pas. Il reste combien d'allumettes? Très bonne question. Assez, merci. Merci beaucoup, Miss Ami, pour le sub. Bienvenue à la commune, bienvenue chez les gueux. Souhaitez-lui la bienvenue, mesdames et messieurs. Tes vidéos YouTube étaient déjà un régal, mais le live, c'est encore mieux. Le live, c'est excellent. Merci beaucoup pour les 100 bits. Alors, vous me dites quand la porte claque et que ça se chasse. Cette fois, faut que je le claque l'encens dans la mouille. Bon, bah écoutez, cette game a été un peu plus rapide. Ça fait plaisir. Chat, en attendant qu'il chasse, est-ce que vous préférez qu'on en refasse une autre potentiellement un peu plus rapide sur une Tangle, une Edgefield, tu vois, un truc comme ça? Ou est-ce qu'on suit le programme et on se finit sur un petit campement où vous êtes mes oreilles? Tu vas bien, Miss Amy, en tout cas? Un petit campement! Petit campement! Allez, petit campement. Chasse! Il y en a qui veulent des bastos, là. Ok, chasse. Donc là, il est rapide ou lent? Il est fast. Je sais pas, j'espère qu'il m'a pas vu. Il est rapide, ok. Depuis que je te regarde sur YouTube, j'ai pris 3 cm de pipou, j'ai trouvé l'amour de ma vie, mon compte en banque est dans le positif, et mes games sur Phasmo sont devenus plus simples. Bah écoute Cameron, tu m'envoies ravi. Ça fait plaisir. N'hésite pas à dire aux autres, hein. Évidemment. C'est bon, c'est fini? Ça doit être fini, là. Ouais. C'est bon, tout est validé. Ok. Bah écoute, tu m'envoies ravi. Je suis très content. Fin de chasse. Bon, bah, mesdames et messieurs, celle-là, elle s'est bien passée. Elle s'est bien passée. Vous vous rendez compte que on va potentiellement faire une game sur le campement qui va être plus rapide qu'une game sur la Tanglewood. C'est fou, quand même. C'est fou! Putain, c'est magnifique. Magnifique. Alors là, magnifique fantôme, puisque les jumeaux, en plus, c'est vous qui devez... Les jumeaux, c'est tout au son. C'est la double interaction, c'est les bruits de pas, c'est parfait. C'est parfait, mesdames et messieurs. Il s'est abonné à ma chaîne YouTube, Oli Shoka, et il a claqué sa Oli. Petit jumeau des familles. Oh, le chat qui régale. Merci à vous, chat, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de s'endormir sur ton stream avec des bruits de dindon, mais je sais bien, je sais bien. YouTube, tu vas te prendre une petite page de pub, tu le sais. Ça a été magnifique. Combien de fois il a fait double interaction, à votre avis, chat? Il a fait, attention, il a fait 11 fois une double interaction. Bien joué à ceux qui l'avaient entendu. Du coup, 125 interactions en tout. Il n'a pas changé de pièce favorite. Et la gamme a duré en 16 minutes. C'était magnifique. Mesdames et messieurs, niveau 72, bientôt la fin de l'arc du pauvre. Alléluia, certains diront. La petite page de pub et on revient et on se finit sur le campement. Incroyable. À tout de suite. YouTube, il y a un moment, dans la vie d'un chat où il faut qu'il soit testé. Le chat a été solide sur les appuis. Il a douté avec moi, avec toi, sur la première partie, avec le mimic. Il a été solide et serein sur la deuxième partie, avec les jumeaux. Et là, c'est le test ultime. C'est le campement, mesdames et messieurs. Mais sans le son, pour moi. Tout de suite, est-ce que mon chat est un chat de qualité? La réponse. Ouais, ouais, ouais. Je reprends des défis à toi avec des amis. En vrai, on s'amuse de fou, mais t'as tout à fait raison. Je vous conseille le mur de la mort qui est incroyable, le tarot surprise qui est super fun en multi. N'hésitez pas. Du moment que vous faites plaisir, si vous êtes créateur de contenu, mettez juste un petit dites-le au début de votre vidéo ou votre stream, ou mettez-le dans la description, tu vois. C'est normal ça, mais sinon ouais, faites-vous plaisir, il y a pas de souci. On est parti. Alors, le campement, c'est une map que je kiffe maintenant. Ah, mais on est en cauchemar. Ah oui, c'est vrai. Donc, je sais pas où est le... C'est quoi, ça? C'est quoi, le truc blanc, là? Donc, je sais pas où est le... Comment t'appelles ça? Le courant. Ok. On a une apparition, le micro parabolique et une lumière à feu. Ok, ok, ok. Alors, attendez, on va commencer... appareil photo thermo. Voilà. Je vous fais confiance, chat. Caméra avec le truc blanc.
C'est ça, Casey, tu es mon oreille. Tu es mon oreille. Attends, je vais regarder si on n'a pas orbe. La dernière fois, j'ai eu un orbe dès le début, là. Ici. Ok. Ok, il n'y a que deux caméras sur ce... Ok. Salut, Speakly, tu vas bien? Alors. Ok. Est-ce qu'on va... Eh, tiens, est-ce qu'on a le Slender? C'est vrai que je vérifie jamais si on a le Slender, mais... toujours rigolo de l'avoir. Alors là, je le vois pas. Ok. Je le vois pas, je le vois pas. Alors si vous voulez la découverte du campement, en savoir plus sur le campement, les cachettes, tout ça, j'ai fait deux vidéos sur le campement. Allez sur la chaîne YouTube. Des vidéos très sympas où on découvre tout ça. Vidéo où on regarde aussi où sont les objets maudits, tout ça. On teste des cachettes un peu qui sont pas vraiment des cachettes, tu vois. Ok. Alors mon but là c'est de trouver l'objet maudit et en même temps de trouver le générateur. Le tarot il est là normalement. On n'a pas le tarot. Oh on a le générateur. Ok nice. Nice. Je vais voir si on a le cercle d'invocation. On a le cercle d'invocation. Okay. Ah il y a une partie de moi qui veut le faire dès le début. Je vais aller voir si on a la planque en haut. On n'a pas la planque, fait chier. Ok, j'en profite pour visiter. Regardez avec le thermo, vous voyez si, si on a des salles un peu fraîches, des salles froides. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le plus long, ça va être de trouver la salle de l'entité. Parce que c'est pas... Ah, quelqu'un a testé la plante, apparemment, c'est plus un safe spot. Okay. Le saint bureau. Mais oui, c'est vrai, on a le saint bureau. Désolé, j'ai douté. Oh non, on a encore un fantôme ponton. Ah non, ok, j'ai eu peur. Ah non, non, non. Bonjour madame. Tu veux dire bonjour au chat? Allez, dis bonjour. Bonjour. Elle veut pas dire bonjour. C'est pas la princesse. C'était la patronne. Elle veut pas dire bonjour. Elle m'a pris pour le Père Noël. Elle m'a emmené des sandwichs et un cookie. Elle a cru qu'on était en marathon Phasmo de 12 heures. Let's go, baby. Let's go. Alors. Alors, attends, je vais fermer ici. Le verre de lait. Et j'avoue, le verre de lait, là, il a dû laisser aller. Elle aime pas, la patronne. Elle est pas internet, elle est pas jeu vidéo la patronne. Vous voyez ? Mais alors pas du tout. J'essaye, hein. J'essaye de, tu vois, de la forcer un peu et tout, mais elle est pas. Bah let's go 12h, faut demander aux modos. Hein. Les modos sont fatigués, je crois. Est-ce qu'on a la boîte à musique ? La boîte à musique est là, non. Ah mais non, on a le cercle. Bon écoutez, il y a aucune porte qui a été ici. Oh ! Bonjour ! Le fantôme est là. Le fantôme est toujours à côté de l'os. C'est faux. Il est pas là. Ok. Je vais me faire attaquer, je vais rien comprendre. Il va arriver d'un coup. Je vais être obligé d'utiliser un safe spot qui est celui-là. Hop ! Safe spot. Là, le fantôme peut rien faire. Ouais, je sais, c'est technique. Ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai. Toilette. Oui. Ok, il est pas toilette. Enfin, il est pas là, quoi. Douche. Douche. Comment ça? J'avoue. Mais quoi, douche? Et baignoire? Et bassin? Ça va, chat? Salaud! Ok, il est là. Pédiluve! J'adore ce défi parce que des fois on dirait que vous balancez des trucs au hasard. Et cognac. Ok. Alors est-ce qu'on a la cachette buggée? On a la cachette buggée. Si vous allez ici et que vous allez tout au fond là, vous êtes invincible. Cucurbitacé, parallépipède. Ouais, bien sûr. Après vous avez toujours ce petit safe spot ici. Enfin. Je vais y arriver. Putain, j'y suis arrivé de premier coup tout à l'heure. Mais...
Oh, j'y étais presque. Je vais y arriver. Oui, bonjour. Ok. On va allumer ici. On va essayer de perdre moins de santé mentale possible. Ok. Donc on a littéralement fait toute la map avant de trouver le fantôme. C'est ça qui est bon. Pintoufle. Putain, si vous avez la ref là, oh, vous êtes monstrueux si vous avez la ref de pantoufle. Alors, on va reprendre ça, parce qu'on a perdu quand même pas mal de trucs. Vous avez dit qu'il a touché une porte, donc on va prendre ça et on va vérifier l'orbe tout de suite. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que le feu de camp fait du bruit? Test mémoire. Ben oui, quand il est allumé. Petite question, c'est quoi le site que tu avais montré pour Phasmo, avoir les sons et tout? Alors, le site français ou le site américain? Parce qu'il y a un site américain qui est excellent, que je vous ai pas parlé. Mais si tu parles du site français... Alors, attends. C'est un site que j'aime beaucoup. Je l'utilise pas souvent. Il est où? Je crois que c'est Phasmo Guide. C'est phasmoguide.com. Ouais, c'est ça. Je l'utilise pas souvent. Moi, j'utilise plutôt... Enfin, quand ça arrive, hein, mais c'est rare... Ghostfinder, j'aime beaucoup Ghostfinder, mesdames et messieurs, parce que vous avez plein d'infos et vous avez en plus, quand vous sélectionnez, vous voyez, ça, hop, ça choisit les fantômes et puis vous avez un timer à intégrer. Vous avez un timer intégré qui est pas mal. Voilà, mais par contre, c'est en anglais. Mais en français, vous avez Phasmoguide que j'aime bien parce qu'en fait, tu peux avoir les infos très vite. Tu vois, tu peux voir que le revenant il va très vite, tu peux voir que l'ombre apparaît en nombre, tu peux voir que l'Yurek claque une porte, tu vois. Et ensuite, quand tu cliques dessus, ici, t'as un petit descriptif, ça va à l'essentiel. Ça, c'est, j'aime, tu vois. Il marche jamais dans le sel, point barre, il peut se TP, tu vois. Et vous avez les bruits de pas juste là. Non, j'aime bien. Et puis vitesse de... Non, j'aime bien Phasmoguide, ouais. Je trouve qu'il est clair, net. Et il va à l'essentiel. C'est pas les sites où t'as des stats longs comme le bras, tu vois, et au final, tu lis tout le truc, t'as rien compris. Là, ça va à l'essentiel, ça vous donne pas trop d'infos. Comme ça, voilà, c'est facile à retenir. Parce que les gens, des fois, ils veulent juste avoir une info, ils veulent pas forcément tout savoir sur tout, tu vois. C'est pour ça que moi, je vous dis pas tout le temps tout. Parce que des fois, au final, le mec, il pose une question, et puis au final, il a éteint la lampe, non? Et puis au final, il a rien compris, parce que je lui ai, tu sais, je lui ai blindé le cerveau de... C'est lui qui a allumé. Ok. Glacial. Oh merde. Pas d'orbe dans la douche. Orbe. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 please. El Mimico is back. Le retour de la vengeance. Il a ouvert une tente. Putain, la pauvre. Paix à son âme. Excusez-moi. Ouh, c'est le bébé qui s'empare de ma santé mentale. Paix à son âme. On aime. On en était où? Attendez, je vois rien. Laissez-moi essuyer mes larmes. Ah, c'est bon. Faut qu'on teste la spirit. Et on va mettre un crucier au cas où. Ok. Oh putain. Alors. Oh là là. Allez, s'il te plaît, donne-nous la spirit, comme ça c'est vite fait, quoi. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous jeune? Êtes-vous vieux? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous une pizza? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ok. Je vais vérifier les empreintes. On est d'accord que il peut mettre des empreintes sur les portes.
sur les portes des chiottes, hein. Ok, la glacière. Ah ouais, c'est bien glacial, là. Ok, on a quoi en tout, revenant? Oh, shit. On va mettre un cruci. Il a éteint, là, je suis pas fou. Attendez. Il a éteint. Ok, pas d'empreinte. Donc, c'est si c'est un mimique, c'est forcément la spirit. Forcément. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous vieux? Ok. Ok, ok. Donc on serait pas sur un mimique. Porte? Ok. Porte, porte, porte. Bien vu, bien vu. Ok, pas d'empreinte, pas d'empreinte, pas d'empreinte. On reteste un petit coup. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous un mimique? Êtes-vous vieux? Êtes-vous une pizza? Ok, ça a pas l'air. C'est rare, hein, mais ça arrive qu'on tombe sur des pizzas. Ok, ok, c'est pas un mimique, c'est bon. Onryo, Antou, Yurei revenant. Alors, il a pas coupé encore le courant. Donc l'Antou, pour l'instant, non. Après, des Antou qui coupent pas le courant, on en a vu plein. Ça, c'est pas le souci. On pourrait faire une chasse safe derrière le Saint-Bureau et voir si c'est un revenant ou un Antou, en vrai. On a quoi en objectif? Le micro, la lumière à feu et l'apparition. Ok. On va faire le micro et la lumière à feu. On a le cercle pour l'apparition. Et on n'a pas de planque. Le problème, c'est qu'on n'a pas de planque. Je sais pas si c'est la blague le pire. Eh oui, que veux-tu? Je sais pas si on a une planque, c'est le problème. Pourquoi j'ai pris ça? Je ne sais pas. Parce que le cercle... Le problème, c'est que si c'est un revenant, je vais pas avoir le temps d'aller me cacher. Oh, attends, on peut allumer ces bougies? Non, on peut pas. Ah, c'est dommage, ça aurait été stylé. Revenant, l'autre aurait déjà attaqué. Ah bah non, ils attaquent tous à 50%, sauf... Non, l'Orio, 60. Donc non, non, non. Murmure? Oh putain, oui. Le cheat code. Le cheat code est activé. Ok, le murmure, c'est fait. Putain, on va réussir un campement plus rapidement qu'une Tangle, c'est fou quand même. On a changé 2080 fois de couche. Incroyable. Ok. Ok, ok. Ok, mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Paniquez pas. On peut mourir très très vite. Mais s'il vous plaît, il faut pas qu'on meure. Il faut que ça soit du 3 sur 3. Ça, c'est pas une cachette, on est d'accord. Hein. Ah, mais on a un safe spot ici. Ah, on a un safe spot. À quand un bingo? Un bingo avec les objets tier 3, c'est un peu chiant. Je vais pas te mentir. Mais oui, j'y ai pensé. En fait, j'essaye d'avoir des... J'essaye de faire des games avec des multiplicateurs assez élevés pour que l'arc se finisse. Parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'au niveau 100 avec les objets tier 1. Je vais éteindre. Je vais aller chercher une autre bougie. Il nous a pas fait un seul événement, l'enfoiré. Hein. Pas un seul événement. Ça peut pas être les dots, on est en cauchemar. Alors, le revenant, ce qui est bien, c'est que pour vous qui avez le son, ça va être facile à trouver. C'est juste pour survivre que ça va être compliqué. Et bisous, Kentaro. Le revenant, c'est 50%. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. J'ai laissé mes allumettes là-bas, hein, on est d'accord. Okay. Je vais mettre une deuxième bougie, puis je vais prendre un encens, puis on va voir. On va voir si c'est un Orio. Je pense qu'on va se faire chasser. Au pire, on allumera juste une bougie ou deux du cercle. Est-ce qu'il a éteint? Il a éteint. Ok. Donc là, on n'a plus qu'à allumer deux bougies. Et on regarde s'il chasse. J'ai ramené un cruci, non? J'avais pas ramené un cruci, chat. Porte? Ok. Ok. Événement? Il est où? Putain, je le voyais pas, je voulais perdre de... Là! Ok. Cruci. Donc l'événement, c'est fait. Oh, tout est fait! Ok, il ne reste plus qu'à trouver le ghost. Ok, on va prier pour qu'il chasse pas.
façon, ma lampe va clignoter s'il chasse. Moi, je reste dans le noir pour perdre un peu de santé mentale. Il a éteint les deux bougies. Instant. Ouais, mais attends, la deuxième bougie, elle s'est éteinte. La deuxième bougie, elle s'est éteinte parce qu'il a voulu lancer une chasse. Mais non, parce que j'avais mis... Mais non, j'avais mis qu'une bougie, c'était le troisième souffle, là. Comment ça, trop d'objets? J'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter. Normalement, si c'est un Orion, il aurait dû chasser, là. Il aurait dû. Il aurait dû, il aurait dû. Ah, drop d'objet, ok. Porte, porte, oui, oui, porte, porte, mais... Normalement, si j'ai bien compté, c'est pas un Orion. Il chasse, là? C'est une chasse, là? C'est un event? C'est un event? Ok. Un événement chantant. Ok, il a soufflé la bougie. On attend un petit peu. Normalement, ça fait 1. Faut attendre 6 secondes. Ok, on n'a rien. On allume celle-là. Ok. Il n'a pas coupé le courant. Donc, ce serait un entou qui ne coupe pas le courant. Ok, il a fait bouger la caméra. Alors, on pourrait faire une chasse et savoir tout de suite, mais le but, c'est pas non plus de faire une chasse, tu vois. Le but, c'est quand même de faire un peu de la phasmoscience, tu vois, de trouver les preuves, tout ça. La chasse, c'est vraiment le dernier recours. Moi, j'aime bien jouer comme ça. Ok. Il a éteint une deuxième fois. Ok, on attend un peu. Ouais, je pense pas que ça soit un Orion. Non, ça peut pas être un mimique, on n'a pas d'empreinte, pas de spirit. Ça peut pas être un mimique. Ok, j'allume une dernière fois. Il me reste 5 allumettes, ok? Et donc là, une fois qu'il souffle et qu'il attaque pas, on va... Ah, est-ce qu'il peut faire son pouvoir de Yuré sur la porte des chiottes? C'est une bonne question, en principe oui. Et dès qu'il éteint, je vais lancer une chasse, je pense. Je vais éteindre ici. Je sais pas si ça m'enlève ma... m'empêche de perdre ma santé mentale. Okay. Imagine quelqu'un fait un phasmo sur Minecraft, c'est stylé, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est juste que moi je vous ai jamais fait en stream, mais c'est déjà le cas. Ok, la porte a été touchée, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ok. Ah, il a pas l'air de vouloir. Allez, souffle-nous le bout, là. Souffle-nous le bout. Qu'on part sur, sur une chasse. Nah. Nah. Je sais pas pourquoi, je sens bien un petit revenant, moi. Il a pas coupé le courant. Là, ça a soufflé, là. Ça fait 3. Ça fait 2 fois qu'on fait le test de 3. Ça peut pas être un Orio. Ok, l'Orio, c'est non. Je regarde vite fait s'il a pas bouffé le cruci. Non. Ok, l'Orio, c'est non. Je l'ai saoulé avec la bougie, ouais. Alors, est-ce qu'on fait... on va faire le cercle. On va faire le cercle. On va pas tout faire le cercle, mais histoire de voir qui nous attaque, tu vois, qu'il y ait du danger. Qu'il y ait du danger. Comme ça, vous me dites si vous entendez quelque chose. On va y aller tout doucement. Ok, on va faire le cercle. Là, on a rien. Je sais plus où il est, l'interrupteur. Il est là, je crois. Là. Il est tellement bien, ce nouveau campement. Putain, je le kiffe. Je le kiffe. Un petit revenant, c'est rigolo. De toute façon, un revenant, je peux le voir sans le son, normalement. Alors, attends. On va savoir quand je suis à 0. Quand t'es à 0, tu peux pas allumer la bougie, c'est simple. Voilà.
Regardez, vous voyez, je peux pas l'allumer là. Elle s'éteint. Donc là, ça veut dire que je suis à 0% de santé mentale. Donc là, normalement, il va attaquer. Donc là, je compte sur vous pour écouter et je compte sur moi pour la fermer. Ce qui est compliqué. Ok, il a bouffé le cruci. Comment vérifier? Non, il a coupé le courant. Non, il est en chasse. Non, il a coupé le courant. Ok. Non, je vais laisser ma lampe allumée, c'est plus rigolo. Est-ce qu'il est en chasse là? Il est toujours pas en chasse. Ok. Un en tout, il a peut-être coupé une fois le courant. Incroyable. On va retester le sein bureau. Toujours pas en chasse. Là, il a bouffé le cruci, je pense. Toutes les lumières sont éteintes. Il a bouffé le cruci. Ok. Donc le cruci, c'est fait. Hop. Le sein bureau. Pourquoi? Ah non, la tasse est déjà comme ça. Ok. L'entou qui se réveille d'un coup. Vous voulez que je vous montre le safe spot ou vous voulez qu'on fasse le sein bureau? Alors, safe spot, je vous l'ai déjà montré, mais... un bureau. Ok. Ok, il chasse. On ne cheat pas ici, c'est vrai. Il est trop loin? Vas-y, on prend des risques. La chasse est finie. En tout, il était rapide. Il était rapide. On va en refaire une deuxième pour être sûr. Je mets pas votre parole en doute, mais en... un petit peu. Il a recoupé le courant. Il a recoupé le courant. Ok, on partirait sur en tout. On va attendre qu'il rechasse. De toute façon, l'en tout peut pas accélérer. J'ai la flemme d'aller remettre le courant. Il chasse là, non? Ah mais non, il a coupé le courant. Mais je suis vraiment teubé des fois. Merci à Lizouille. Attends. Ça sent l'entout, ça sent l'entout. Il a juste mis un peu de temps à se réveiller, mais j'aimerais bien qu'il chasse en fait. Pourquoi il chasse pas? Oh non, c'est pas un mimique. Please. La température. Ah, il attend que. Le salaud, il attend que la température descende pour chasser. Provoque-le. Souffle! Je vois pas ce que ça va faire le fait de souffler. Il a soufflé. Chasse. Ok, chasse. Ouh, il a l'air rapide, sa mère. Je vais mourir. Tiens, ma couille. On a vu son souffle? Tu as vu son souffle? En tout? Ok. Attention, le revenant est rapide de ouf aussi, hein. Le Saint-Bureau, mesdames et messieurs. Ok, je pense que c'est fini. Ok. Ok, ok, en tout. Souffle glacial, c'est vrai? C'était un événement, ça? Ah ouais, putain, il m'a fait peur. C'était un événement. Il a ralenti? Ok.
Ah, vous avez vu le souffle? Je vous avoue que je l'ai pas vu, moi j'ai essayé de survivre, hein, je vais pas vous mentir. Allez, on part sur en tout, vous avez l'air tous d'accord. Ça, c'était pas fini? Bah si, c'était fini, arrêtez. Tout va bien. Un petit tantou des familles. Non mais bien sûr, mais je suis un professionnel, je sais combien de temps dure une chasse, je savais que j'étais safe, calmez-vous. Bien sûr, je n'ai jamais douté. Petit tantou, mesdames et messieurs, on a réussi la Tanglewood. T'inquiète pas que je m'en souviendrai de celle-là. On a réussi la Willow, et on a réussi le campement, et tout ça sans son, avec le chat qui me guide. YouTube, n'hésite pas à me dire si t'aimes bien ce challenge, et surtout si tu l'aimes bien, bah viens nous voir en live. Ça me dérange pas de le refaire sur d'autres maps, pourquoi pas sur un petit Sunny Meadow, pour bien s'emmerder avec des games du Nord 20. Bref. Voilà, petit en tout des familles, il a fait capacité utilisée 0, donc le coupage de courant ça compte pas comme une capacité, très bien, et il a coupé que 2 fois le courant, interaction avec le disjoncteur 2, tu vois, donc 2 en 24 minutes pour un fantôme qui est censé couper le courant 2 fois plus que les autres entités, c'est pas beaucoup, bref. C'est un first try, mesdames et messieurs. C'est magnifique. C'est la fin de cette vidéo. Je t'embrasse, YouTube. Des gros bisous. Des gros bisous.